tous, c'est l'heure du chat info et les people sont toujours au balcon. Bonsoir public. Pour toi public, un tour de passe-passe exceptionnel. Pour toi, non, pas pour toi. Je plaisante pas. Regarde public, la jolie boîte que voilà. Tu la vois, la jolie boîte, tu la vois. Jusque là, c'est normal. Et à présent, je fais le tour de la boîte, de la jolie boîte, de bouillon de cube. Oui, car c'est un tour de magie. Et vos idées ont du génie. Tour pourri, et ce n'est que le début du confinement. Oh, bonsoir, c'est à moi. Eh bien, vite. C'est pour vous dire que je les ai entendus, les cloches sonner dans toute la France, hein. Ah oui, 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 je vous confirme, j'ai entendu toutes les cloches sonner. Même ma voisine, elle a sonné. Eh bien oui, non, parce que, eh bien, moi je vous explique, ma voisine, quand les cloches sonnent, elle est toujours au premier loge, hein. Par contre, les cloches, la prochaine fois, si vous pouvez les sonner un peu moins fort, hein, parce que ça va peut-être chasser le connard de virus, mais ça va nous rendre sourds, hein. Comment? Qu'est-ce que vous dites? Bonsoir, c'est un message pour Alfred Butz. Comment ça, vous connaissez pas Alfred Butz, l'inventeur du Scrabble. Et à ce propos, monsieur Butz, j'aimerais vous dire quelques mots, vous qui êtes un habitué des mots, à propos du mot Covid. Covid, que ma femme vient de trouver dans la partie de Scrabble qu'on est en train de jouer. Covid. Je sais pas où, dans la série j'invente des mots, je sais pas où elle a trouvé ce mot. Et j'entends partout dire Covid-19, Covid-19. C'est faux, monsieur Butz. Ah, parce qu'en recomptant toutes les lettres, Covid, ça fait pas 19 points, ça fait que 11 points. Du coup, ma femme ne me dépasse pas et je remporte la partie. Alors si vous pouviez, monsieur Butz, rectifier cette petite erreur, merci d'avance. Passez me voir à l'occasion, on échangera quelques mots. En espérant avoir le dernier mot. Moi, après tout, il n'y a pas le mal à se faire du bien.